souvent écouté ça en disant, et si on va savoir qui va être élu? Déjà, qui va se présenter? Et qui va être élu? Vous vous rendez compte un peu, grâce à ça? Bien, ça, c'est un volet qui vous intéresse, hein, ce volet prédictif aussi. Oui, c'est intéressant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est les chefs d'orchestre des flux papier. Alors, il y a un peu de flux numérique, mais... Et on va devenir les interprètes des flux numériques. C'est une partie importante de notre métier. Quand on parle aussi d'attractivité, dire à un jeune, tu vas rentrer et tu vas faire pendant toute ta carrière de la saisie, franchement, ce n'est pas le plus intéressant. Donc, il y a de nouveaux métiers qui vont arriver. On va avoir des data contrôleurs, des data superviseurs. Et donc, notre métier va évoluer vers cette interprétation de la donnée, être capable d'aller de plus en plus vers les clients, d'avoir de la compta prédictive. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait ces outils, justement, et qu'on prenne à bras le corps. Parce que quand on parle d'ubérisation, Jean le disait tout à l'heure, soit on ne fait rien, et il y a de grandes chances qu'il nous arrive plein de choses, soit on est plutôt moteur, qu'on a de l'enthousiasme, de l'envie, c'est ce qui a aussi prédominé dans la création d'Inco, et on y va, et on fait en sorte que toutes ces tâches à basse valeur ajoutée, ben on gagne du temps, et que derrière on soit plus proche de nos clients, qu'on fasse plus d'accompagnement. Moi j'ai un exemple, c'est Watson aux États-Unis qui a fait un test, ils ont mis une intelligence artificielle, 5 recherches jurisprudentielles à faire, et à côté 10 avocats spécialisés dans le domaine. L'intelligence artificielle a mis moins de 80 secondes avec 90% de taux de réussite pour trouver toutes les réponses. Les avocats ont mis 5 heures avec 80%. Est-ce que de la recherche documentaire, c'est de la valeur ajoutée? Non. Si on est capable d'avoir très vite ces informations, qu'on puisse derrière l'interpréter, apporter du conseil, accompagner nos clients, ben on va tout gagner. Et je pense que ce qu'on n'ubérisera jamais, c'est l'humain. Alors on a tous de plus en plus besoin d'humains. On nous parle d'ubérisation. À l'époque, on a tous envie d'humains de proximité. Donc c'est là aussi où notre rôle de premier conseil des chefs d'entreprise est important. Il faut qu'on soit au contact de nos clients et qu'on ait les outils pour leur apporter le meilleur conseil et le plus tôt possible. Voilà, c'est ça qui est important. Jean, puis après Isabelle qui conclura. Et nous avons avoir un rôle complémentaire dans nos cabinets. Celui-là marche-t-il? L'autre, oui, voilà. J'ai plus de réussite. Voilà. Et surtout, on va avoir aussi ce rôle de citoyen d'accompagnement. Et nos collaborateurs, nos 10 sous, oh, allez, 10 000, peut-être pas, non, pas 20 000. En tenue, on a quand même beaucoup moins de monde, parce qu'on a commencé ce mouvement un petit peu depuis 20 ans. Donc, on s'y est pris tôt, on continue à s'y prendre tôt. Mais donc, on va les faire évoluer. Et on va les faire évoluer parce que Mon robot, là, qui va me faire l'imputation automatique, si je n'organise pas les flux, si je ne lui amène pas la donnée, il ne pourra rien faire. Donc, mon collaborateur, qui avant faisait de la saisie avec ses petites mains, maintenant, bah, il va organiser la collecte des flux, il va organiser ce qu'on appelle l'ancienne boîte à chaussures papier, bah, il va maintenant la numériser. Donc, ce rôle, on va bien sûr avoir à faire monter en gamme et en métier nos collaborateurs qui font aujourd'hui de la tenue, enfin de la saisie de comptabilité, c'est pas de la tenue, de la saisie de comptabilité. On va les faire évoluer tout naturellement et notre responsabilité, elle est bien sûr d'avancer avec tous ces gens-là pour en laisser quand même humainement le moins possible sur le bas-côté pour éviter la fracture numérique. Et une fois qu'on a compris tout ça, eh ben, je pense que de cette menace naît en effet une opportunité, comme vous disiez tout à l'heure, cette opportunité de continuer d'être au cœur des flux et qui fait qu'on sera encore plus incontournable. Un dernier mot, Isabelle Savon. Oui, alors vous savez, la région a bien entendu pris conscience qu'il fallait s'emparer de la transition numérique. On s'en est occupé par deux phases. La première, déjà, que tout notre territoire puisse bénéficier de pouvoir s'occuper du numérique à travers les réseaux, parce que ce n'était pas chose gagnée sur tous les départements, donc on s'y emploie. Et la deuxième, auprès des entreprises, en leur expliquant qu'il faut vraiment qu'ils fassent cette transition, on a créé le chèque conseil numérique pour aider les entreprises justement à bénéficier d'un accompagnement de manière à pouvoir leur préparer ce passage à la transition numérique, que ce soit du départ, de la conception de site ou même aller jusqu'à la cybercriminalité parce que ça passe aussi par là. Donc je crois que ça, c'est important de le souligner. Et puis je crois qu'aujourd'hui, notre collaboration avec les experts comptables, avec l'ordre des experts comptables, il est important parce que à travers, parce que comme vous disiez, vous êtes aussi tous les jours auprès des entreprises, le fait que vous connaissiez ce que fait la région pour les entreprises, vous êtes aussi notre premier relais. Je crois que c'est la raison pour laquelle demain, vous signerez une convention avec le président de la région à ce sujet. Pierre, Bill Gates disait déjà il y a une vingtaine d'années, celui qui possédera la donnée possédera le pouvoir.
si on extrapole un peu, d'abord, est-ce que c'est vraiment l'outil du pouvoir? Et quand on regarde des experts comptables qui sont dans cette salle, est-ce que pour eux, il y a cet enjeu majeur? Et deux, est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi de voir la fracture nord-sud entre les pays riches et les pays pauvres, etc., s'accentuer, s'aggraver aussi, parce que tout le monde n'a pas les moyens de développer l'intelligence artificielle grâce à la donnée, etc. Oui, alors la richesse principale de tout l'écosystème, c'est évidemment la donnée. C'est la raison pour laquelle on est tous numériquement surveillés, suivis, et toutes nos données sont enregistrées. Et c'est la raison pour laquelle il y a des tas d'accès libres sur Internet et sur les réseaux sociaux, parce que ça permet de capter toutes ces données-là. Et il y a des compagnies internationales dont le rôle est d'augmenter le nombre de données. C'est ce qu'elles font au quotidien. Et ça, on le sait, on essaye de réguler la détention de données. Vous avez vu ce jeune Norvégien ou Suédois qui a fait un recours pour demander à WhatsApp son historique, et WhatsApp lui a donné, une fois condamné, 5 ans d'historique, y compris les messages supprimés. Voilà. Donc ça veut dire que vous envoyez un message qui est à une seule personne, vous le supprimez une fois, deux fois, trois fois, et 5 ans après, WhatsApp vous le rend. Il est toujours là. Donc c'est la raison, il faut être bien conscient. Mais bon, on est dans ce monde-là, etc. La question que vous posez, c'est la question principale des conséquences des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une technologie extrêmement utile qui apporte que des bonnes choses dans l'économie. Ça limite la pénibilité, ça augmente la rentabilité, ça augmente la faisabilité de telle chose, ça augmente les réseaux de communication, etc. Mais le problème, c'est qu'une toute petite partie de l'humanité y a accès. Alors, déjà avec l'Internet, qui est le vecteur de croissance le plus fort du monde, vous savez combien il y a de gens qui utilisent Internet sur la planète? Disons qu'on est 7 milliards 300 millions. Combien il y a d'humains qui utilisent? La moitié? Voilà. Un peu moins de la moitié. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de la moitié de l'humanité qui n'a jamais eu accès à Internet, qui n'aura jamais accès à Internet. Comment peut-on vivre aujourd'hui dans un monde globalisé sans avoir accès à Internet? Eh bien, pour l'intelligence artificielle, c'est pire. C'est-à-dire que la partie de la population qui va y avoir accès est encore faible, et beaucoup plus faible. Si on la mesure dans un pays très développé comme la France, c'est une partie faible, mais si on la mesure au niveau mondial, c'est une partie infime. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation de la disparité et des inégalités à cause de cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, regardez les premiers effets de la robotisation à l'extrême, permise par la connexion entre les objets industriels et l'intelligence artificielle, c'est la relocalisation d'entreprises qui étaient allées chercher des coûts de revient dans les pays émergents. Toutes ces entreprises qui produisent des produits à faible valeur ajoutée ou des services à faible valeur ajoutée sont parties dans les pays émergents pour chercher des coûts de revient faibles, ça a été le cas. Aujourd'hui, une usine, par exemple, prenez le textile, une usine de textile produit à des coûts inférieure en Haute-France en étant robotisée qu'au Bangladesh. Et d'ailleurs, je vous cite un exemple réel d'un groupe français qui a rapatrié sa production du Bangladesh dans les Hauts-de-France parce que son usine des Hauts-de-France robotisée a des coûts de revient inférieurs. Mais la question, c'est que va-t-on faire des 600 familles qui travaillent dans cette usine au Bangladesh qu'on laisse là-bas? Et là, c'est une technologie mondialisée sans gouvernance mondiale. Qui va gérer ce problème-là? Et donc le danger de l'intelligence artificielle, c'est pas la robotisation chez nous, parce que d'abord nous on est extrêmement robotisés. Dans notre pays, vous allez prendre de l'essence, vous voyez personne, vous retirez de l'argent, vous voyez personne, vous allez faire des courses dans un supermarché, vous payez 15 cannes, vous pouvez prendre un cours de gym avec un hologramme, vous pouvez consommer toute la journée sans voir personne. Même qu'ils font des campagnes politiques avec des hologrammes. Oui, voilà, absolument. D'ailleurs, il y a des programmes politiques qui ont été écrits par une intelligence artificielle, c'était votre question précédente. Ouais. Donc nous on est déjà très très robotisés, donc il y a peu de risques. Mais à l'échelle mondiale, il va y avoir des drames. Il va y avoir des drames. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, c'est une technologie qui remplace l'humain pour des tâches à valeur ajoutée sans grande importance. Et dans des proportions très, très, très fortes. Alors vous avez constaté qu'on l'écouterait des heures et des heures. Procurez-vous, d'une manière ou d'une autre, le monde de Tim. C'est vraiment un ouvrage qui se lit très vite et qui est très éclairant et très sympathique et très frais. Et puis, je vous donne rendez-vous aussi avec Luc Julia, qui est co-concepteur de Siri et qui intervient à